Bon, en théorie, je m'arrête à ce tour-là. Hein. Qu'est-ce que je fais moi si les matchs d'avant ils ont pris du retard en fait par rapport à l'heure théorique du match, je vais forcément dépasser. T'attends, ça veut plus rien dire l'heure théorique après. C'est pas ta faute quoi, tu peux, ils vont pas clore le match parce que. Non mais ce que je veux dire c'est que moi je me base sur quoi après pour les histoires de 15 minutes. S'ils sont pas leur temps. Généralement ils ont lancé quoi après. Parce que là j'ai encore 10 minutes normalement, dans les règles. Mais je suppose qu'ils sont super en retard vu qu'en dessous ça peut valider encore. Ils ont pas encore validé en dessous? Non. Bon, je vais gérer là, le truc après. C'est quoi comme match? Ah bah c'est bon, Danny Day ou Eddie Flower là. Ils ont mis 40 plombes à valider. Ah bon? Bah j'ai pas le même tableau. Alors, moi je vois qu'ils ont rien validé. Et du coup j'ai pas d'adversaire encore. D'accord, le mec 49 Larouf, tu vois, je fais bonsoir à 21h21, Crashman admin ESL, vous finissez votre match. Le mec il me répond en majuscule oui et il rage quitte quoi. D'accord, ok, t'as perdu, c'est pour une raison pour m'en foutre plein la gueule quoi. C'est lequel celui-là? Ah, du coup il m'a recontacté lui. C'est lequel qui te dit ça parce que je le trouve pas dans le tableau? C'est l'adversaire de Danny de WD. Ah, bah ce que j'attends, ouais. D'accord. Donc ce sera Danny. C'est Larouf qui arrache kit en fait. Ah, il s'appelle. Channel switched.